Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avam Mordechai Ben Yitzhak Vefani, ainsi que l'Orléa Bat Beila. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous avons aujourd'hui l'honneur, le plaisir, la joie de débuter aujourd'hui le Seder Nashim, le quatrième Seder qu'on étudie dans le cadre de notre cours de Mishnah quotidien. Et on démarre avec Maseret Yevamot. On a une longue Mishnah dont je ne vais pas mettre à la lire et à la répéter de nos pas, ça va faire trop long. Je préfère plutôt introduire très succinctement d'abord le principe de c'est quoi Yevamot. Et après, introduire les quelques introductions nécessaires pour bien comprendre cette Mishnah, qui est relativement facile même si elle est longue. Il y a tout d'abord le mitzvah de Yiboum. La Torah nous dit Ki Yeshu Achim Yachdav. Vamet Achad Mehem. Lorsqu'il y aura des frères qui étaient ainsi installés ensemble, chaque mot, bien sûr, il est bien qu'on en mesure de la faute. On avait plusieurs frères qui étaient ensemble dans un même ensemble, qui se trouvaient dans une même maison, qui ont grandi, qui sont connus, quoi. Et il y en a eu un qui est décédé sans avoir d'enfant. Alors, un de ses frères a la mitzvah de prendre sa femme en femme et de lui donner. De donner une progéniture en souvenir de son frère. D'accord? Il vient continuer en fait ce que son frère n'a pas réussi à faire sur terre, donc il ne peut pas continuer comme ça. Si toutefois il ne voudra pas faire le Yiboum, alors il a une mitzvah de Khalitsa. Khalitsa, c'est toute une histoire. Comment faire exactement? Il faut le déchausser. La femme, ce qu'on appelle la Yevama en l'occurrence, elle ne va pas partir, elle va partir en Beddin. Elle va dire, oui, il ne veut pas me faire le Yiboum, alors on va lui faire la Khalitsa, elle va devoir lui retirer sa sandale, et cracher devant lui, et lui dire, c'est ainsi qu'on va faire celui qui ne veut pas faire, qui ne veut pas construire la maison de son frère. Donc ça, c'est la Mitzvah de Khalitsa. Il y a, récemment, j'ai vu un petit film d'une vraie Khalitsa qui a eu lieu au Bézine de la Fonde de Khalibros, c'est avec une petite recherche internet, vous en trouvez à notre époque assez facilement. Je ne vous incite pas à regarder YouTube, mais si vous avez l'habitude d'entrer dedans, alors regardez comment ça se passe. D'accord? Il y a donc la Mitzvah de Yiboum, Mitzvah de Khalitsa. Maintenant, il y a bien sûr évidemment des cas un peu plus particuliers, parce que par exemple, un frère pouvait avoir plusieurs femmes. Donc, il était marié à 4 femmes, il n'a pas eu un seul enfant avec aucune. Lorsqu'il décède maintenant, eh ben, il a un frère qui doit prendre une des femmes. Et on dispense tout le monde ainsi, ensuite de la Mitzvah. D'accord? On n'a pas le droit d'en prendre plus d'ailleurs, il y a un interdit. On construit juste un frère qui décide de prendre une seule de ses femmes. On va prendre maintenant un cas plus particulier dans notre Mishnah, dans la Mishnah nous projet directement dans une situation particulière. C'est le cas où, par exemple, il y avait le frère défunt, il avait par exemple 4 femmes, on reste dessus, mais dont l'une des femmes, elle est interdite à l'un de ses frères, de toute façon, parce qu'il a un autre lien de parenté de par ailleurs. Je m'explique, on va prendre le cas par exemple de. On va prendre, bien sûr, juste l'histoire de. Je vais reprendre quand on va parler dans toute la Maseret Yevamot. Vous devez connaître la famille de Yaakov sur les bouts des doigts. C'est une famille parfaite. Il y a Yaakov, il y a au moins 2 sœurs, Rachel et Léa. Et donc il y a des enfants qui sont frères de père mais pas de mère. Imaginez, après on évoquera la situation avec des frères de mère et pas de père. Tout ça on évoquera. Pour le moment, j'assure avec la situation de Yaakov. Yaakov, donc, il a donc 2 femmes. Une qui s'appelle Rachel. Une qui s'appelle Léa. Rachel, elle a un fils qui s'appelle Yosef. Léa, elle a un fils qui s'appelle Réhouven. Maintenant, vous imaginez bien que puisqu'ils ne sont pas frères de mère, juste de père, alors il va y avoir des cas où Réhouven va être marié à une femme qui est en fait une inceste pour son frère Yosef. Par exemple, imaginez que Réhouven, en fait, il était marié avec Léa, la mère de Réhouven. Imaginez comment son mari Yaakov. Il était marié avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui s'appelait Esav. Elle a eu un enfant qui s'appelle Eliphaz. Ensuite, Esav l'a divorcé. Léa est partie se marier avec Yaakov. Et elle a eu un deuxième garçon qui s'appelle Réhouven. Entre-temps, Yaakov est une deuxième femme qui a eu Yosef. Donc en fait, on va se retrouver par exemple avec donc, une personne que Eliphaz, qui est le frère de mère de Yosef, de Réhouven, mais qui n'a aucun lien de parenté avec Yosef. Yosef, ok. Alors imaginons qu'en fait c'était. Maintenant on va prendre un cas un peu, le même principe mais avec un peu autre chose. Imaginez qu'en fait sa mère, quand elle était mariée avec quelqu'un d'autre, elle n'a pas eu un garçon, elle a eu une fille qui s'appelait Dina.
Cette Dina, c'est la sœur de mère de Réhouven. Réhouven n'a pas le droit de se marier avec elle. Mais Yosef, il n'a aucun problème de se marier avec elle. Elle n'est ni sœur de père, ni sœur de mère. Ça date d'un mariage antécédent. Donc, du coup, imaginez que Yosef s'est marié avec cette Dina. Et puis après, Yosef décède sans enfant. Eh bien, Réhouven ne pourra pas se marier avec sa sœur. Il peut se marier avec sa belle-sœur, c'est un très grand ridouche. Normalement, toute belle-sœur a interdit Béchiouf Karet, même après la mort du frère. Mais cette fois-ci, la Torah l'a dit. Dans cette situation où elle est décédée sans enfant, tu pourras te marier avec sa sœur. Maintenant, si toutefois cette femme-là, elle est de toute façon interdite par inceste, à cause d'inceste, par un autre inapparenté parenté à Yosef, à Réhouven, en l'occurrence comme ce qu'on dit, qu'en fait c'est sa sœur de mère, même si c'est pas celle de père, et l'autre qui s'est marié avec elle, et bien dans ce cas-là, non seulement elle sera dispensée de la mitzvah de Yiboum, mais même aussi toutes les autres femmes qui étaient mariées avec Réhouven, en l'occurrence, ou avec Yosef plutôt, elles vont toutes être dispensées du hiboum. C'est-à-dire, je m'explique, imaginez qu'en fait Yosef, il avait 4 femmes, 3 femmes qui avaient des étrangères, et une quatrième femme qui est en fait la sœur de mère de Réhouven. Lorsque maintenant Yosef a décédé sans enfant, il a maintenant 4 femmes, et Réhouven ne pourra faire le hiboum à aucune d'entre elles. Pour quelle raison? Parce qu'il y en a une qui est sa sœur de mère, donc elle est inceste, et la Torah va me dire, on va déduire ça du psukim, on va pas évoquer le psuk pour le moment. La Torah va me dire, tu sais quoi, si toutefois tu peux, t'as le potentiel de te marier avec celle que tu veux, parce qu'il y en a 4 devant toi, tu peux prendre celle que tu veux, là dans ce cas-là, il y aura le hiboum. Mais si on a une que tu ne pourras pas te marier avec elle, alors elle va non seulement être interdite de faire le hiboum, mais même les autres, ce qu'on appelle les tsarot, elles vont toutes être aussi dispensées de hiboum. Ok, on fait ça dans les bons maintenant. On va découvrir 15 femmes qui ont fait 15 situations de proximité entre un frère et une femme, le frère du défunt et la femme qu'il avait que le défunt avait, 15 situations où, qui vont faire que maintenant cette femme-là elle va être interdite à lui. Par exemple, imaginez en fait un cas simple, je vous ai pris le cas, imaginez Rouen et Youssef qui sont mariés à deux femmes qui ont fait une. Donc, ces deux femmes-là, c'est une mère et sa fille. Il n'y a aucun problème en théorie. D'accord? S'ils ont le même âge. Lui, Rouen, il s'est marié avec. Maintenant, la mère, elle a eu cette fille-là d'un mariage antécédent. Son mari, après, il est mort. Réhouven, ensuite, décide de prendre de se marier avec la mère. Son petit frère, Yosef, qui a 20 ans de moins, il décide de se marier avec la sœur. Et là, on va se retrouver avec une situation qu'en fait, on a deux belles sœurs qui sont une mère et une sœur. Une mère et une fille. Et là, dans cette situation, maintenant, lorsqu'il y en a un qui va décéder, l'autre, il ne pourra plus se marier avec cette femme. Il ne pourra pas faire le boum, et il va même dispenser toutes les autres femmes aussi, au même titre, comme ce qu'on a dit. C'est du Pasoul, du Michel Achotel, le Tigar Kutsfor, le Gelotar Vata. C'est le mot de Gemara. Et donc, que si tu prends deux femmes qui viennent mitzror pour faire un tzror ou une tsara, le mot tsara, il faut bien l'assimiler. Le mot tsara, il y a peu de. Je ne connais pas le mot comment ça se passe en français. Quelqu'un qui a deux femmes, elles sont toutes les deux tsara. Bon, une tsara, vous imaginez, c'est quoi? C'est un malheur. Chacune, c'est le malheur de l'autre. Elles sont sans arrêt en bis-bis, comme on dit. D'accord? Allez, on démarre la Mishnah. Il y a 15 femmes qui vont être dispensées, donc le mot ptourot, mais il faut le rajouter un peu dans l'idée, qu'elles sont dispensées elles-mêmes du hiboum. Mais comme le ça, potrot tsaroten, elles vont dispenser leur tsarot, celles qui vivent avec, je ne sais pas comment ça se dit, deux femmes qui sont mariées à un même mari, elles sont des tsarot. Elles ont dispensé toutes les tsarot, toutes leurs tsarot, et même aussi tsarot, tsaroten. Alors là, c'est le plus utile. Je crois qu'on va pas en parler tout de suite. Je vous le dis en une petite phrase, et puis on aura l'occasion de découvrir beaucoup plus longuement ensuite, plus tard. C'est qu'en fait, maintenant, comme on a dit, imaginez, il y avait Réhouven et Yosef. Maintenant, Yosef était marié, par exemple, à Dina, qui était la sœur de Réhouven, de mère. Lorsque Réhouven décède, lorsque Yosef décède, Réhouven ne peut pas se marier ni avec Dina, ni avec toutes les autres femmes, toutes les autres tsarot qui étaient là-bas. Imagine qu'il y avait un autre frère qui pouvait se marier. Il y avait Binyamin, un autre frère de fils de Rachel, qui n'avait pas de rapport avec cette Dina-là. Donc lui, il va faire le hiboum. Maintenant, il va prendre une seule femme. Et peut-être même pas l'inceste, il va peut-être prendre les autres aussi. Malgré tout, si Binyamin ensuite va décéder son enfant, ben son frère Réhouven, il ne pourra toujours pas se marier avec aucune de ses femmes. Parce qu'elles ont été une fois tsara, alors ça contamine à chacune des femmes, qu'elles vont être toutes de nouveau sortes. On l'expliquera beaucoup mieux plus tard, d'accord? Je voulais juste là pour le moment expliquer, parce qu'on appelle les tsarot tsarotel. Atsofar là, mais ainsi de suite jusqu'au bout du monde. C'est dans la même idée.
On le redevra plus tard, d'accord? Maintenant, on va découvrir c'est quoi ces 15 femmes-là. Il y a Belwen, et telles sont ces femmes-là qui peuvent être permises à un frère et inceste envers l'autre. Ça peut être Bito, sa fille. Parce que tout simplement, c'est vrai que dans la Torah, c'est même le Ramban écrit que c'est la même affaire, quoi. Qui a un frère qui se marie avec sa nièce. Ils ont les mêmes traits de caractère, ils ont les mêmes réactions, ils ont la même mentalité. C'est ce qu'il y a de mieux, en fait. D'accord? Donc c'est Bito. Donc il a Domaï et sa fille à son frère, mais son frère il a 700 enfants. Sa fille elle devient Yevama devant lui, il n'a pas de misère de Yiboum, pas de Khalissa à faire, et elle dispense toutes les autres femmes qu'il avait rouées. Donc il y a Bito, ou Bat Bito, ou Bat Beno. Ça va marcher par 3-3-3 d'abord. On en a 9 d'un coup, il y en a 15, on a déjà les 9 premiers, c'est le même principe. C'est avec un homme. Il n'a pas le droit de se marier avec la fille de sa femme, ni avec la petite fille de sa femme, même si sa petite fille, par l'intermédiaire d'un fils ou d'un garçon. En l'occurrence, la Mishnah va me dire Bito, Bat Bito, Bat Beno, tout d'abord. Sa fille, et sa petite fille, et sa petite fille, mais parce que c'est la fille de son fils. Toutes ces choses-là, toutes ces femmes-là sont interdites à lui. Maintenant, son frère, ça c'est la progéniture de Réhouven. Son frère Yosef, il peut se marier avec elle. Yosef s'est marié avec une de ses femmes, et maintenant Yosef décède, et puis Réhouven ne pourra plus faire le hiboum parce qu'il a sa fille devant lui, ou parce qu'une des Yevamot c'est sa fille. Ou c'est sa petite fille. Donc on a pour le moment trois cas, Bito, Bat Bito, Bat Beno, mais même aussi Batishto, Bat Bena, Bat Bita. La fille de sa femme, et la petite fille qui peut venir soit par l'intermédiaire du fils de sa femme, soit par l'intermédiaire de la fille de sa femme, d'accord? Ensuite, on a fait 3 et 3. Maintenant on va avoir 3 en haut. C'est le même principe de nouveau, c'est la même inceste. Parce que moi, ma femme, eh ben, elle va, je n'aurai pas le droit de me marier ni avec sa mère, ni avec sa grand-mère. Et ni avec sa fille, ni avec sa petite fille. Ok? Donc on a de ce fait, ou Bat Bena, ou Bat Bita, ou Bat Bita, et nous Batishto, Bat Bena, Bat Bita, la fille de sa femme, la fille de son fils, ou la fille de sa fille, ou Chamoto, Vem Chamoto, Vem Chamir, ou bien même aussi sa belle-mère, ou la mère de sa belle-mère, ou la mère de son beau-père aussi. Il n'a pas le droit de se marier parce qu'en fait, il s'avère que ces gens-là, ces femmes-là en l'occurrence, je suis déjà marié avec leur fille, donc elle devait dans pour moi. Ensuite, Achoto Meimo, sa sœur de sa femme, c'est le cas qu'on a évoqué, que Réhouven avait une sœur qui s'appelait Dina, qui était une sœur de mère mais pas de père, et puis après, son frère ou du père s'est marié avec elle, puis quand on est devant lui, ça devient Achoto Meimo, sa sœur de par sa mère. Ou il y a encore Vachotimo, ou même la sœur de sa mère. Prenez le cas, par exemple, imaginez Rachel et Léa, c'était pas deux sœurs. Il y avait Rachel et Bila. Maintenant, et Rachel, elle a une autre sœur qui s'appelle Léa, donc c'est Achotimo. Cette Léa, elle peut se marier avec Réhouven. Et voilà, vous avez compris le principe. Vachotishto aussi, la sœur de sa femme. Deux frères ont droit de se marier avec deux sœurs, vous savez bien. Maintenant, si son frère va décéder sans enfant, il n'est pas question que son frère va se marier avec sa belle-sœur. Parce que si en temps normal, tu peux prendre la femme, il peut prendre la femme de son frère, mais il ne pourra pas prendre la sœur de sa femme. Tant qu'elle est vivante. Véchat Achiv Meimo, et de même aussi, la femme de son frère, de son frère maternel. Ouais. Réhouven, il avait un autre frère qui s'appelait, allez, Shimon, et qui était de mère uniquement. Shimon, il a été marié avec une femme. Shimon, il a divorcé sa femme. Son frère Yosef s'est marié avec elle. Lui, il a plus le droit de se marier avec elle, parce que c'est Achot Meimo. Ok. Achot, le mot, Echet Achiv Meimo, le frère. La femme du frère, de son frère maternel. Ve'eshet achiv shelo yala be'olamo, ça on l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est le frère qui n'était pas dans un même monde. On a dit que la mitzvah de Yiboum, elle ne concerne que les frères qui étaient ensemble, be'olam echad, dans un seul monde, ils se sont rencontrés. Mais si toutefois, une fois que il y avait un frère qui est décédé, et qu'il y a un autre frère qui a fait le Yiboum, après, la grand-mère, en fait, elle va accoucher un autre enfant. Ça peut arriver. Imaginez, il y avait par exemple, donc on avait dit, il y avait Réhouven et Yosef, on les laisse là pour le moment. Quand Yosef décède, alors maintenant, sa femme, c'est Réhouven qui va la prendre. Entre-temps, Rachel, elle accouche d'un Binyamin qui est le frère de Yosef. Mais Yosef n'a jamais rencontré Binyamin sur Terre. Ils n'ont jamais été des Olam Echad. Dans ce cas-là, sa sœur, cette fille-là, elle devient inceste pour lui, d'aucune manière elle ne pourra pas revenir vers lui en hiboum, même une deuxième fois. Vekalato, et aussi sa, comment on dit, sa bru, sa belle-fille,
sa belle-fille. Imaginez-moi, mon fils sera de chaleur, je peux, juste pour exemple, mon fils marié avec une femme, ça se passe mal, il y a divorce. Mon frère paternel n'a pas de problème ensuite, paternel ou maternel, ça change rien, n'a pas de problème de se marier ensuite avec cette fille-là qui a divorcé. Lui, il n'a pas de rapport, il n'a pas de rapport avec elle. Ok? Donc maintenant, toutes ces femmes-là qu'on a évoquées, on les évoquera beaucoup plus longuement dans les détails, mais toutes ces femmes-là vont dispenser leur tsarot, les femmes qui tombent en même temps d'une même maison, et les femmes qui vont tomber une deuxième fois, alors là, il faut expliquer un petit peu mieux. Ça va toucher à, en fait, qu'il y avait trois frères. On va rester Reuven, Shimon, et on laisse le Yosef, d'accord? Comme ça, c'est plus facile. De manière générale, lorsque Reuven décède, il avait quatre femmes, Reuven, son frère Shimon ou Yosef peuvent décider de faire le hiboum. C'est Shimon qui décide de faire le hiboum avec une femme. Il prend une seule femme, il s'est marié avec elle. Maintenant, Shimon lui-même, il s'est marié avec elle, mais il n'a toujours pas eu d'enfant. Mais il avait déjà trois femmes supplémentaires, Shimon. Et il décède. Alors là, maintenant, toutes ces femmes-là vont attendre le hiboum de une d'entre elles, quoi. Vont attendre le hiboum du petit Yosef, même celle qui était initialement la femme de Reuven. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle qu'elle va être tsarot tsara. Elle va tomber deux fois. Elle va tomber deux fois en hiboum, en fait. Mikoach l'un, à partir de l'un et à partir de l'autre. Et là, s'il y avait une incèse dans l'histoire, eh ben, il ne pourra plus la rencontrer. D'accord? Mina khalitsa ou mina yiboum, atsof olam. Donc elles vont dispenser aussi bien de la khalitsa, toutes ces cas d'incestes, elles vont dispenser aussi bien de la misa de khalitsa que de la misa de yiboum, atsof olam, jusqu'où? Ça peut passer jusqu'à la fin des temps. C'est même si ça s'est arrivé plein de fois. Imaginez qu'il y a maintenant Yaakov, il a pris 12 frères et sœurs. Owen est mort sans enfant. Shimon a pris sa femme. Il a pris une femme. Shimon, ensuite, il est mort sans enfant. Il avait lui-même trois femmes. Et il avait déjà pris une, donc ça lui fait quatre. Ensuite, ça tombait devant Lévi. Lévi, il avait. Ensuite, il décide d'en prendre une seule. Et ainsi de suite. Maintenant, en tête de chaîne, quand ça commençait l'histoire avec Reuven, il y avait le petit Binyamin, ou le petit Yosef ou Binyamin, qui ne pouvait pas se marier avec une de ces femmes-là. Même si maintenant, aujourd'hui, il va plus rencontrer cette femme-là, parce que Reuven, il avait quatre femmes. Il y en avait une qui c'était sa sœur de mère. Après, Shimon, elle a décidé de se marier avec une autre femme. Mais cette autre femme qu'elle avait prendre, elle était dispensée de Yiboum par rapport à Yosef, à Binyamin, Yosef, je sais plus où j'en suis. D'accord? Malgré tout, même si Shimon va prendre une autre femme, et puis après, Shimon va décéder, et il aura encore de nouveau d'autres femmes, et il va y avoir son frère Lévi qui va faire le Yiboum, et bien malgré tout, toutes ces femmes-là, elles vont toutes être interdites à au petit Yosef, parce que initialement, dans le premier hiboum qu'il y a eu entre eux, quand Reuven est décédé et que Shimon a dû prendre sa femme, lui, le petit Yosef, il était exclu de ce hiboum parce qu'il avait sa soeur maternelle, donc toutes ces femmes-là, elles deviennent interdites pour lui, et ainsi de suite, quand Shimon il fallait reprendre, ben, celle qui va prendre, elle va rester interdite sur Yosef, et ainsi de suite, d'accord? Donc, ça dispense à Sof HaOlam. Vekulan, et dans tous les cas, maintenant, Im Metu, O Mien, O Nit Gershu, O Nim Tsehoshin Mesoyolenit, Soroten Mutor. Maintenant, attention. On revient maintenant dans le cas simple. C'était un peu compliqué, mais là, on revient sur le cas simple. Il y avait Reuven, il avait donc trois femmes. Quatre femmes, on va rester sur quatre. Il y avait quatre femmes. Une d'entre elles, c'était la sœur de Yosef, par mère maternelle. Ok? Maintenant, ensuite, pendant qu'il était vivant, Reuven, il s'est disputé avec cette fille-là, qui s'appelait Dina, par exemple. Il l'a divorcé. Il s'avère que maintenant il ne reste plus que trois femmes. Parmi les trois femmes, au moment où il va mourir, il n'avait pas d'enfant. Son petit frère, Yosef, va pouvoir prendre une des trois femmes. Parce qu'il a divorcé sa femme avant qu'elle tombe devant lui en hiboum. Avant que la maison de hiboum se présente, il a divorcé sa femme. Donc maintenant, les autres sœurs, les autres femmes, ne sont plus interdites à lui à cause de sa terre-là. Ok? Les kulan imetu, omi anu. Ou encore, il y a une autre situation, là, c'est compliqué. On va essayer de le faire le plus vite possible, pour ne plus trop allonger. Mais à nous, c'est qu'elles ont refusé les Kiddushin, on aura l'occasion d'avoir un père antique qui va en parler de ça. Je préfère avancer un petit peu. Mais à nous, c'est-à-dire refuser, on parle d'une jeune fille qui a été mariée, pas par la Torah, parce qu'elle n'avait plus de père, par exemple, c'est ses frères et soeurs qui l'ont mariée, elle a la possibilité quand même de refuser les mariages qu'ils ont fait. D'accord? On évoquera plus le cas dans les détails. Oshin Gershu, le principe général de la mission, c'est de me dire, tu sais, quand je dis qu'une inceste, elle va contaminer les autres sœurs, elles vont toutes être dispensées de hiboum, c'est qu'à condition au moment où le frère y meurt, qu'elle est encore mariée avec lui. Mais si elle n'est plus mariée, parce qu'elle a été divorcée, parce qu'elle a refusé, ou bien
Parce qu'elle est morte. Maintenant, il s'avère que quand Rouen ensuite il va décéder à son tour, ben, il n'a plus de femme qui est interdite à Yosef. Donc toutes ces femmes-là, qui vont rester, elles pourront, elles sont aptes au hiboum pour son petit frère Yosef. Ou encore chez Nimtsoua Ilonit, c'est encore un autre cas particulier, c'est le même principe. Et c'est qu'en fait, il s'est avéré qu'elle était stérile, mais une stérilité chromosomicale, je ne sais pas comment ça se dit, qu'en fait, c'était qu'elle était complètement exclue, elle n'a pas développé un corps féminin comme il fallait. Donc ça, chez Nimtsoua Ilonit, il s'avère qu'elle est complètement dispensée du hiboum, ou même que ça va retirer les kidushin. Les kidushin vont s'annuler parce que c'était une vente par erreur, avec une femme pas plus stérile. Et donc dans tous ces cas-là, il s'avère que cette femme-là, au moment où Réhouven va décéder, toutes les femmes qu'il a maintenant, il n'y a plus d'inceste par rapport à Yosef, Yosef pourra se marier avec elle. Même si à l'époque, il était marié avec une femme qui était interdite de lui. C'est ce que Michel me dit, je recommence. Les Koulan, dans tous ces cas-là, immetu, o mi anu, o nit gorshu, o nit tsu, il onit. Dans tous ces cas-là, donc il y avait plusieurs femmes qui étaient skoukot et iboum, si elles ont cessé d'être, si l'inceste a cessé d'être femme avant que Réhouven décède, son frère pourra faire le hiboum aux autres femmes restantes. Maintenant, la Mishnah nous précise, attention, je t'ai dit qu'elle a refusé les Kiddushin. Veyatay Cholomar, Bachamoto, Vem Chamoto, Vem Chamiv, Shenitsua Ilonit, O Shemianu. Attention, je t'ai dit que s'il y avait un cas où il s'avérait qu'elle était stérile, ou qu'elle a refusé les Kiddushin parce que c'était Kiddushin que des Rabanan, eh bien, je t'ai dit que les autres cas d'inceste, elles sont permises. Ça, tu ne peux pas appliquer cette phrase sur l'histoire de la belle-mère ou la mère de la belle-mère, parce qu'elle n'était pas stérile, puisque. Si c'est ma belle-mère, c'est qu'elle a une fille, donc elle n'était pas stérile. Ok, ce que Michel vient de me dire, c'est le même principe aussi, chez Menou, qu'elle a refusé les Kiddushin, parce qu'à partir du moment où elle a eu un enfant, donc ça veut dire qu'elle est déjà adulte, et si elle est déjà adulte, elle ne pourra plus refuser les Kiddushin, on aura l'occasion de beaucoup plus d'être.